Bonjour, je suis Mickaël Lavedrine, directeur d'exploitation sur l'EPL du Bourbonnais, près de Moulins dans l'Allier. Sur une surface de 250 hectares, nous avons une activité d'élevage avec une troupe de 360 brebis, un atelier poulet de chair sous signe de qualité label rouge et un atelier bovin de 90 vaches charolaises. En fait, on a été obligé d'annuler plusieurs rencontres et manifestations que nous organisions avec des partenaires sur notre site. Deuxième point, c'est que il n'y a plus d'apprenants en travaux pratiques ou en stage. Et pour autant, le fonctionnement de l'outil se poursuit, assuré par nos trois salariés, Pascal, Philippe et Théo. Merci à eux, car malgré la difficulté du contexte, ils sont là. Parce qu'il faut alimenter, soigner les animaux, préparer leur sortie sur les pâtures ou préparer l'arrivée du prochain lot de poussins. Parce que la production est essentielle et elle continue. Il y a évidemment des inquiétudes. On applique les gestes barrières et on s'adapte. Salutations, échange d'informations à distance, utilisation du matériel réparti dans le temps, nettoyage régulier des volants, poignées de porte avec des lingettes désinfectantes. En termes de commercialisation, on commence à avoir des effets sur le marché bovin lié à l'Italie. Une incertitude majeure est sur l'agneau de Pâques, où l'on risque d'être sur une faible demande et une impossibilité de faire attendre des agneaux finis. L'exploitation essaie aussi de contribuer à la continuité pédagogique en diffusant son actualité sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre.